Pourquoi tu ne m'as pas appelé? J'avais la tête ailleurs. Rapatrier le corps, l'enterrement, les formalités. Pourquoi tu m'appelles maintenant? Tu sais sur quoi il travaillait? Le réchauffement climatique, non? Pour une structure au Groenland, le projet Gwen, un truc dans le genre. Tu connais ces gens, toi qui es dans le milieu? Non, je suis journaliste scientifique, pas chercheur. La cuisine interne des organisations, c'est pas mon truc. Je n'ai pas réussi à leur parler pour avoir des explications sur comment c'est arrivé, dans quelles circonstances. Qu'est-ce que tu veux savoir? Ça ne peut pas être un suicide. Je l'ai eu au téléphone la veille quand il arrive à Reykjavik pour son escale. Il était content de rentrer, de prendre quelques jours de vacances. Sa voix était enjouée, il y a quelque chose qui cloche. Et c'est quoi ton idée? Je pense qu'ils ont fait une connerie là-haut au Groenland. Et que pour pas compromettre leur truc, ils font passer ça pour un suicide. Mais moi j'y crois pas. Sans preuve, j'y crois pas. Comment ça, des preuves? Il n'y a que deux moyens d'en avoir le cœur net. Le premier, c'est essayer de savoir ce qui s'est passé vraiment. Les circonstances, quoi. Les témoins, je sais pas, qui sont ces gens? Et l'autre moyen, c'est quoi? Je préférais qu'on n'ait pas recours à l'autre moyen. C'est quoi? Ça pourrait être plus simple. Ne m'oblige pas à exhumer mon frère et à le faire charcuter par un médecin légiste. Tu étais son ami, Maxou. Tu lui dois bien ça. Allô? C'est moi. Des news de Morten? Non. Je lui ai laissé deux messages en disant que je voulais le rencontrer avec l'adresse. Je t'ai rappelé le Groenland, je sais pas s'il est à Reykjavik en ce moment. Il me l'a confirmé il y a 2 jours, il n'a quand même pas changé d'avis. Tu sais, Morten, ça fait vraiment longtemps que je l'ai pas vu. Je sais pas s'il va vouloir me parler. La dernière fois c'était pour l'anniversaire de Frédéric et... depuis, on sait pas ce qui s'est passé. Attends. Je te rappelle. Je suis content de te voir. Ça fait longtemps. C'était quand déjà ? À l'anniversaire de Fred, l'année dernière, je crois. Qu'est-ce que tu fais là? Tu dois t'en douter. J'essaie de comprendre pourquoi un homme sans histoire s'est jeté par la fenêtre. Un suicide, c'est un suicide. Je préfère éliminer toutes les autres pistes avant de considérer que c'est la fatalité. Quelles autres pistes? À toi de me le dire. Tu bossais avec lui, tu... Tu vivais avec lui, 24 heures sur 24. Tu ne peux pas ne rien avoir remarqué. Nous travaillons beaucoup. Nous n'avons pas le temps de nous préoccuper des états d'âme de chacun. C'est dommage, mais c'est comme ça. Tu n'es pas aussi cynique que tu veux le faire croire. Morten, c'était ton ami, non? Il y a toujours une dimension insaisissable dans un suicide. Nous sommes scientifiques. Ni toi, ni moi, nous ne pouvons nous contenter de réponses approximatives. Il nous faut des vérités. Il n'y a pas forcément de réponse à tout. Il faut savoir accepter et faire son deuil. C'est suffisamment difficile sans avoir besoin de se poser d'autres questions. Je veux rencontrer ton employeur. Gaspard Garrison, tu risques une déconvenue. Tu vas m'aider ? Miranda Bright, chargée des relations publiques du projet Gwen. Maximilien Hopp, la revue scientifique. Excusez mon retard, j'ai été prévenue tardivement de votre arrivée. Ne perdons pas de temps, j'ai de la paperasse à vous faire signer pour les accès au site. Combien de temps comptez-vous rester? Ce n'est pas noté sur votre fiche. Cela dépendra de mes recherches. Il vous faut une date de sortie. Disons 2 jours. Le délai accordé aux journalistes est habituellement de 2 jours. Nous verrons si nous devons le prolonger. Je pense qu'il le faudra. Je suis désolée, je n'ai pas pu libérer de chambre ici au centre. Je verrai si je peux vous en trouver une au campus, sinon je vous ferai réserver une chambre en ville. Merci. Tenez. Signez là et là. Je vais vous conduire au bunker. Au bunker? La staff room, si vous préférez. C'est un lieu réservé aux chefs d'unité. Ici, c'est ouvert à tous. Chercheurs et étudiants vont et viennent. En bas, c'est privé. Vous y serez plus tranquille pour consulter les documents. Votre badge, il vous donnera accès au bunker et aux autres sites pendant la durée de votre accréditation. vous avez toutes les présentations du projet Gwen à disposition, et notamment celle-ci. C'est le rapport de synthèse annuel du projet. Génial. Ah non, surtout pas celle-là. Pourquoi? C'est celle d'il y a 2 ans. Celle-ci est de cette année. À quoi vous voyez ça? Nous avons changé notre logo. Merci. Quand est-ce que je pourrais voir Gaspard Garrison? Vous serez prévenu. Monsieur Garrison n'est pas là pour l'instant. Voici mon numéro. Appelez-moi si vous avez besoin de quelque chose. C'est important que je puisse m'entretenir avec lui rapidement. Très rapidement. Je vais vous faire porter un encas pour vous rassasier. Vous êtes ? Madame Garrison, Gwen Garrison. Sa mère ? Sa femme. Et une chance sur 2. Les scientifiques aussi ont une vie conjugale, même si parfois elle bat de l'aile. Oui, petite pause. Présentation officielle c'est bien, mais c'est pas exactement le sujet pour lequel je suis venu. Et quel est le sujet pour lequel vous êtes venu ? À vous de me le dire. Venez, j'ai envie de marcher. Garde du corps? Malik? Non, c'est notre homme à tout faire. Il va nous suivre partout comme ça? Le Groenland n'est pas cette île paisible que vous pouvez avoir en tête. La ville de Nuuk est rongée par l'alcoolisme et la violence. Mis sous perfusion par les subsides de l'Union européenne et du Danemark. C'est pour ça que vous êtes installé ici. C'est pour sa position idéale, entre le cercle polaire et le Gulf Stream. Le projet Gwen a été reconnu d'utilité publique, mais les financements sont rares. C'est pourquoi nous accueillons les journalistes comme vous, les bras ouverts. Oui, le projet a l'air bien rodé. Vous avez été bien accueillis? Oui, juste un peu surpris par la taille de votre organisation. Le projet Gwen emploie beaucoup de monde dans la ville de Nuuk. Et cela peut susciter quelques jalousies. C'est pourquoi mon mari préfère que je sorte, toujours accompagnée. C'est vous qui avez trouvé le nom du projet? Non, c'est mon mari. Qui aurait pu refuser une telle preuve d'amour? Enfin, je ne sais pas si on peut toujours parler d'amour. Et voici le campus Gwen. Mon mari l'a inauguré il y a quelques mois grâce à de généreuses donations que nous avons pu récolter. Impressionnant. En bas, au centre, il y a la réception du public, les bureaux de l'état-major, l'hébergement. Toute la recherche se fait ici. Les labos sont ici, les chercheurs sont ici, au calme. Donc, sur quel sujet allez-vous axer votre article? Sur le relargage du méthane et sa rétroaction sur le réchauffement climatique. Nous avons réalisé de très belles percées à ce sujet. Nous avions un expert. Il aurait pu vous en parler pendant des heures. Il n'est plus ici? Non. Et vous savez comment je peux le joindre? Il est mort. Ah, C'est navrant. Comment ça s'est passé? Il a mis fin à ses jours. Mais... je vais vous donner ces derniers rapports. Les rapports sont dans ma chambre. Nous ne les avons pas encore diffusés. Frédéric voulait attendre. Frédéric, c'était votre expert? Oui. Et il aurait apprécié que son travail fasse l'objet d'un article. Mais qu'est-ce que vous faites dans ma chambre, Bright? De l'aspirine, pour Gary. Il vient de rentrer. Ah, chérie. Hopp, Maximilien Hopp. La revue scientifique. Ah, bienvenue. Gaspard Garrison. Maximilien va écrire un article sur le relargage du méthane. Je vais lui donner les dossiers de Frédéric. Ah, Frédéric, merci. Il aurait pu vous en parler pendant des heures. Enfin. Je vous demanderai de ne pas sortir ces documents de l'enceinte du bâtiment. Je comptais juste les ramener à l'hôtel. Je vous les ramènerai demain. Vous avez signé un agrément, Max. Vous permettez que je vous appelle Max? Et si Maximilien dormait ici? Je crois que Madame Bright n'a pas trouvé de chambre pour moi. Madame Bright a mal fait son travail. So Bright. Elle va trouver. Je ne l'aime pas. Voilà. La clé? Les portes ne ferment pas à clé. Pour la sécurité des chercheurs isolés. Si vous avez des bijoux de famille, confiez-les à Malik. Il les mettra au coffre. Parfait. Je vais l'appeler alors. Donnez-les-moi plus tôt. Je lui transmettrai. Plus tard alors. Oh, pardon, je vous avais pas vu, Madame Bright. Miranda. Dites-moi, c'était qui l'homme qui fumait là-bas? Où ça? L'homme qui fumait là-bas à l'instant. Pas vu. Moi, je l'ai vu. Nous sommes proches des pôles magnétiques, au pays des aurores boréales. Ce qu'on croit voir n'est pas toujours ce qu'on a vraiment vu. Voici Maximilien Hopp de la revue scientifique. Maximilien va écrire un article sur le relargage du méthane. Sigrid, ça serait bien si vous pouviez passer un peu de temps avec Maximilien. Maximilien Hopp, Sigrid de Henning. Puisqu'on en est aux présentations, vous connaissez déjà Gwen, notre directrice de recherche adjointe. Miranda Bright, chargée des relations publiques du projet. Sigrid de Henning, donc, la responsable du pôle études terrestres. Morten Anders, c'est notre responsable du pôle études climatiques. Solveig Talbot est consultante en impact physiobiologique, Lara Griffith, notre consultante en gaz à effet de serre, et enfin Otto Van Arten est notre spécialiste en biologie animale. Bienvenue Max. Veillez à ce qu'il soit bien introduit dans l'équipe. Gary et moi, nous aimerions qu'il soit au mieux intégré au projet. Bien. Un petit mot sur mon voyage à Boston. J'ai rencontré le directeur de l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis. Il m'a confirmé le maintien de l'enveloppe pour l'année prochaine. C'est une bonne nouvelle. qui ne doit pas faire oublier la fragilité de nos finances. Il faut que nous ayons de nouvelles subventions. Il faut que nous ayons des résultats. Et il faut que cela se sache. Bien. Passons au point sur les études. Parfait, je vous remercie. Monsieur Hopp ? Maximilien. Maximilien, vous auriez un moment pour qu'on fasse connaissance ? J'ai une heure avant de débriefer mes équipes. Pourquoi pas ? Ça nous fera l'occasion d'un premier contact avant d'attaquer plein gaz. Les titulaires plus les étudiants, au final, ça fait une belle petite équipe d'une 50aine de chercheurs. On dirait pas vu de l'extérieur. Les chercheurs sont discrets. Et pas seulement sur leurs résultats. Ils ne boivent pas, ils ne fument pas, ils vivent dans leur bulle. Si ce n'est au restaurant, vous ne risquez pas d'en croiser un. Gwen tient à ce qu'il reste discret. L'homme fort du projet, c'est Gaspard. J'en ai pourtant croisé un hier soir qui fumait après le dîner. Impossible. D'autant qu'après le dîner, chaque chef d'unité doit réunir ses équipes. Mine de rien, donc, nous sommes une grosse organisation. Excusez-moi d'y revenir, mais c'était qui cet homme qui fumait, si c'est pas un chercheur? Un trouveur, peut-être? Non, impossible. Non, vraiment, je ne vois pas. Je crois que je l'ai vu discuter hier après-midi avec Gwen. Ah. Donc? C'est Klaus Maria. Bon, venez, je vais vous montrer les installations. Il est pas chercheur, ce Klaus? Non. Il fait quoi, alors? Je ne pense pas que vous serez en contact étroit avec lui. Pourquoi vous me répondez pas? Il est docteur en virologie. Vous étudiez les virus ici? Toutes les informations sur les activités du projet sont dans les présentations que je vous ai remises hier, monsieur Hopp. Déjeuner? La virologie est un de nos domaines de compétences. Le réchauffement climatique fait ressurgir des organismes prisonniers depuis des milliers d'années dans le permafrost. Le permafrost? Le pergélisol, si vous préférez. C'est la couche gelée des sols en permanence des régions les plus froides sur notre planète, notamment ici. Le permafrost se prête bien à la conservation de micro-organismes. Le pH du sol est neutre et sa structure en fait un milieu pauvre en oxygène et bien protégé des rayons ultraviolets. Mais vous y avez trouvé des virus? Nous ne faisons pas que chercher, il nous arrive de trouver. Mais nous avons trouvé uniquement des micro-organismes bénins. Et notamment Pithovirus, il ne présente aucun danger. Nous l'avons mis en présence de cellules humaines de grande taille, des macrophages, et Pithovirus n'a pas été capable de les infecter. Donc, si vous avez trouvé des micro-organismes bénins, vous êtes susceptible de tomber sur des virus beaucoup plus dangereux. Un chercheur est susceptible de faire des découvertes auxquelles il ne s'attendait pas au départ, oui. Certes, mais êtes-vous préparé à ce genre de découverte? Nous sommes des professionnels. Ça ne répond pas à ma question. Où voulez-vous en venir? Un virus dangereux doit être encadré de beaucoup plus de précautions que la simple signature d'un formulaire pour accéder au site. Mais qu'est-ce qu'elle vous a fait signer? Ce sont vos procédures, Gwen. Oui, mais vous êtes tellement prompte à vous accaparer tout ce que j'ai pu construire. Ne mélangez pas tout, Maximilien. Les accès au labo sont beaucoup plus sécurisés que ça. Je vous trouve insultant, monsieur Hopp. Je disais ça simplement pour éviter un nouvel accident. Un nouvel accident? Je voulais dire un accident. Il dégage aujourd'hui. Hors de question. Mais ça rime à quoi ces insinuations? Il est venu là pourquoi exactement? Il dégage aujourd'hui. C'est la dernière chose à faire. Tu as envie d'un article qui fasse peser le soupçon sur nous? J'ai envie d'un article. Point. Non, tu as envie d'argent. C'est trop dangereux, Gwen. Nous avons trop investi dans cette organisation pour prendre le moindre risque. On peut gérer ça. J'en ai assez de gérer des problèmes annexes. On n'a plus le choix, Gaspard. Il n'y a plus d'argent. Nous avons besoin de nouveaux débouchés. Je ne suis pas un VRP. Tu es l'image du projet. Les investisseurs nous demandent des comptes. Tu ne peux pas jouer aux scientifiques et rester seul dans ton coin. J'avais l'impression de ne pas être seul. Entrez. Excusez-moi de vous déranger. Votre rendez-vous avec le secrétaire à l'énergie est dans 4 heures. Si nous voulons être à l'heure, il faut partir maintenant. J'avais oublié ça. Parfait. Dites à Malik de préparer ma valise. Et vous feriez bien d'en faire une pour vous aussi. Oh bah vous devriez partager une valise. Ça me semble bien plus commode. Et pour Hopp, tu te débrouilles comme tu veux, mais je ne veux plus l'entendre. Ne t'inquiète pas pour Hopp, j'en fais mon affaire. I'm I'm so hungry. Do you want to go to the café, Solveig? Oui, pourquoi pas. Morten, tu viens avec nous? Non, ça ira. Tu veux qu'on te ramène quelque chose? Non, 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 c'est bon. Ok, bye. Did you see the movie last night on Channel 4? Pourquoi Morten ne veut pas venir avec nous? Il est trop bizarre ce mec. Toi, tu m'évites. Pas du tout, j'ai beaucoup de travail. Va falloir qu'on parle, Morten. Faut pas qu'on nous voit ensemble. Viens. Tu veux parler de quoi? Je t'ai fait venir ici. Tu as vu par toi-même que le projet n'avait rien d'un panier de crabes. Tu plaisantes? Ce Gary est pire qu'un gourou. Gary est un pantin, c'est Gwen qui tire les ficelles. C'est elle qui a créé le projet. C'est elle qui se bat pour continuer malgré la lassitude de Gary. C'est elle qui trouve les vrais financements. Et qu'est-ce qu'elle fabrique avec Klaus Maria? Qui t'a parlé de lui? Je les ai vus discuter. Conversation de routine, certainement. Morten, merde! Je suis de ton côté! Arrête de me cacher des choses! Qu'est-ce que ce Klaus Maria fout ici? C'est lié à la mort de Fred? Parle, Morten. Klaus Maria est arrivé ici il y a un an. Il travaille en parallèle sur un autre projet. Il n'a jamais été intégré à l'équipe. Il y a 2 mois... Fred est tombé par hasard sur un de ses dossiers sur le serveur informatique. Klaus Maria a identifié des virus dangereux sur certains échantillons prélevés dans le permafrost en décongélation. Il les a mis en culture et... C'est pour ça que Fred a été tué? Mais non, non, Frédéric n'a pas été tué, il s'est suicidé. Comment tu peux en être sûr? J'en suis pas sûr, mais c'est ce qui est arrivé, non? Et ce qu'il a découvert dans les dossiers de Klaus n'a rien de compromettant. Nous sommes un labo, on est là pour faire des découvertes. Pourquoi est-ce que le projet Gwen n'en a pas parlé? J'en sais rien. Peut-être pour ne pas créer la psychose, ou peut-être parce que c'était trop tôt. Les résultats ne sont pas confirmés. Ça se trouve, les virus ne sont pas mortels, juste dangereux. Comment le savoir? Attends les résultats officiels. Comment le savoir, Morten? Je peux essayer de fouiller sur le serveur, mais je pense que Klaus a sécurisé ses dossiers depuis. Et si on reprélevait les échantillons du permafrost? Tu t'y connais en virologie? Ça prendrait des jours. Je suis pas pressé. Plus maintenant. Je vais refaire des prélèvements et les envoyer sur le continent. Où est-ce que Klaus Maria a prélevé ses échantillons? Dans le fjord Noob Kangalwa, là où le permafrost a commencé à dégeler. Alors j'y vais. On fait le point ce soir? D'accord. Retrouve-moi au campus, appartement 17. Le réceptionniste m'a dit que vous étiez ici. Un orage s'annonce, on est venu vous chercher. Qu'est-ce que vous faites? Rien, je prenais l'air. Soyez sérieux. J'ai lu dans les rapports de Frédéric que des micro-cratères de méthane se trouvaient ici. Malik, allez chercher la voiture et avancez là, j'en ai plein les jambes. Je ne peux pas, Madame Garrison, je dois rester avec vous. Bon, écoutez, si je croise un terroriste, je vous envoie un SMS. Ok, alors ne vous écartez pas du chemin. Promis, allez. Écoutez, les micro-cratères qui se trouvent ici ne sont pas hyper intéressants. Je vous en montrerai des bien plus représentatifs. Venez. Pauvre Frédéric. Je suis bien contente que son travail serve enfin à quelqu'un. Je ne comprendrai jamais pourquoi il s'est suicidé. Je peux pas vous le dire. C'est sans doute sans importance. Il devait avoir des problèmes personnels, il s'est jeté par la fenêtre, fin de l'histoire. Oui, c'est simple. Il a été enterré récemment sans personne du projet. Il faudrait que l'un de nous aille se recueillir sur sa tombe, et je doute que Gary puisse le faire. Vous ne voulez pas le quitter? J'ai l'impression que c'est lui qui m'a quitté, non? Oui? Excusez-moi, mais j'ai frappé, c'est moi! Malik vous a trouvé des vêtements secs. Ah non, non, ça va, merci, pas besoin. Il est dans une heure, passez me prendre dans ma chambre, nous irons ensemble. Très bien, tout à l'heure. Cela vous va très bien. Il ne vous manque plus qu'un verre. Qu'est-ce qu'on boit? Haute vie locale. À Gwen. À nous. Ça avance? L'article? Pas beaucoup. Peut-être l'ombre de ce Frédéric qui plane et m'empêche d'avoir les idées claires. Vous savez, ce projet, comme une grande famille dont vous et Gaspard êtes les parents, c'est un peu comme votre enfant, non? Nous l'avons conçu à deux, oui. Mais c'est Gary le scientifique, pas moi. À Harvard, déjà, c'est lui qui faisait fondre la glace. Justement, je me demandais comment un homme comme lui, si brillant, charismatique, pouvait soudainement... Être marié avec une femme comme moi? Non, pas ça du tout. Il a su trouver en vous les atouts qui lui manquaient. C'est vrai que je devais le changer de toutes ses copines d'Harvard. Toutes ces jocastes et Pandore. Vous avez voulu être une vraie scientifique, vous aussi? Bien sûr. Vous n'avez jamais voulu être un vrai reporter? Je suis désolée. Je voulais pas vous blesser. Excellent, c'était quoi vite. Frédéric l'appréciait beaucoup également. Ça nous fait un point commun. C'est peut-être l'alcool qu'il a perdu. Vous savez s'il avait de l'alcool dans le sang lorsqu'il s'est suicidé? Je ne sais pas. Sa famille n'a pas voulu demander l'autopsie. Vous trouvez sa mort suspecte? Un suicide peut cacher beaucoup de choses. Bon, nous irons dîner plus tard. Je vais sortir. Je dois appeler Gary. Mais l'orage qui s'annonce? Ça va me détendre. N'hésitez pas, vous pouvez vous resservir un autre verre sans attendre. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Tu pouvais m'attendre devant la porte? Trop risqué. C'est cool ces portes qui se ferment pas à clé, hein. Pourquoi tu fouilles dans mes affaires? T'as avancé sur les dossiers de Klaus? Gwen m'a surpris au fjord avant que je puisse faire les prélèvements. Elle sait ce que tu étais en train de faire? Non, non, t'inquiète. Alors, Klaus. Je n'ai pas pu retrouver ces dossiers. Impossible de savoir si ces virus sont mortels ou non pour l'homme. Retour à la case départ. Pas tout à fait. En fouillant dans le labo, je crois avoir retrouvé ces cultures. Si on a les virus, on peut refaire les tests de notre côté. Tu veux dire qu'on peut les envoyer pour des analyses? Non, hors de question qu'ils sortent d'ici. Et puis, ça prendrait trop de temps, non. Le seul moyen de savoir si les virus sont dangereux pour l'homme, c'est de les inoculer à un homme. Je vais me les inoculer. Quoi? Mais t'es pas sérieux? C'est le seul moyen. Tu l'as dit. Fred était mon ami. Je lui devais tout et j'ai rien fait. Non, 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 Morten, arrête. Tu t'emballes là, c'est trop dangereux. Si ces virus ont tué Fred, raison de plus pour qu'ils ne te tuent pas, toi aussi. Il y a sûrement un autre moyen. Ok. Tu as peut-être raison. Je vais réfléchir à tout ça cette nuit. Oui. Va dormir, détends-toi. Et on reparle de tout ça demain à tête reposée. D'accord? D'accord. On fait comme ça. Super. Je t'appelle demain vers 8 h. Ça va aller? Oui, oui, oui. T'inquiète pas. Non. Je te laisse alors. Maximilien? Merci. Ouais. Je suis désolée. Quelle heure est-il? Je ne sais pas. Mais j'ai repensé à cette histoire de suicide et j'ai appelé Gaspard. La veille de la disparition de Frédéric, lui et Gaspard ont eu une dispute. À quel propos? Mais je ne sais pas. Je sais qu'ils se sont plus reparlés après. J'ai voulu en savoir plus et j'ai rappelé Gaspard. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dormait dans la voiture. Et cette putain de Bright n'a pas voulu lui passer le téléphone. Ça va s'arranger. Attendez, je vais vous chercher un mouchoir. T'étais où? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Qu'est-ce qui te prend? Quand on me pique, je pique. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu as fait des choses derrière mon dos. Et tu ne m'as pas tenu au courant. Moi, j'ai fait des choses derrière ton dos? Avec Miranda? Je l'ai juste laissé gérer les choses comme elle le voulait. Tu sais que j'aurais préféré faire ce déplacement avec toi. Et pourquoi tu me l'as pas dit? Pour ne pas faire de mal à Miranda. C'est son travail. Et me faire du mal à moi? Ça t'est égal? Je pensais qu'on était partenaires. On est partenaires quand ça t'arrange. Un jour oui, un jour non. S'il y a bien un défaut que j'exècre, c'est l'inconstance. La science a besoin de constance. Oh, je t'en prie, Gaspard, ne joue pas les grands scientifiques avec moi. Tu n'es qu'une tête de gondole qui se vend pour avoir des subventions. Je n'ai pas de leçon à recevoir d'une salope qui couche avec tout le monde depuis des mois. Ah, c'était ça. Je ne sais pas comment tu l'as appris. Et je ne sais pas pourquoi tu m'en as pas parlé, mais... Désolée de vous déranger, mais nous avons un gros problème sur le campus. Qu'est-ce qui se passe? Non, n'entrez pas. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe ici? Nous avons eu un décès cette nuit. Monsieur Anders est mort. Morten? Oui. Ne vous préoccupez pas de cela. Nous gérons la situation. Rentrez au centre. Je viendrai vous voir dès que tout sera terminé ici. Mais non, je peux vous aider. Nous avons appelé l'ambulance. Ne vous inquiétez pas. Je vous en prie. Tu es sûr que Malik ne t'a pas suivi? Oui, il était occupé avec le cadavre de Morten. Mais pourquoi avoir tué Morten? Il a fouillé dans mes dossiers. Il a sûrement découvert quelque chose. Sur les virus? Oui, il a volé des échantillons au laboratoire hier. Mais enfin, si quelqu'un découvre que tu es responsable de sa mort... Aucun risque. Il était en train de s'inoculer les virus. Ils lui diront qu'il a fait une erreur en s'injectant un produit. Oh, j'ai peur, Klaus, j'ai peur. Ça suffit. Garde ton sang-froid. Nous sommes près du but. Mais Gaspard a des doutes. Et s'il découvre le poteau rose? Il est de plus en plus pressant. La prochaine fois qu'il se montre trop pressant, on l'élimine. Maintenant, retourne au centre. Ils doivent te chercher partout. Enfin, vous voilà! Hé! Hey, on pourrait y frapper! Nous vous cherchons partout. C'est au sujet de la mort de Monsieur Anders. C'est-à-dire? Nous avons retrouvé des échantillons près de son corps. Il est possible qu'il ait été contaminé par un virus. Vous devez rester confiné ici jusqu'à nouvel ordre. Pardon? Le temps que nous examinions les zones du bâtiment potentiellement infectées. Une équipe viendra également procéder à des tests sur vous. Quel genre de test? Pour s'assurer que vous n'avez pas été contaminé, même si vous n'étiez pas en contact direct avec Monsieur Anders. Malik, allez chercher le docteur de Henning. Tout de suite, Madame Bright. C'est elle qui va me tester? Non. C'est elle qui va vous tenir compagnie le temps de votre confinement. Je suis assez grand pour rester seul dans ma chambre. Vous êtes un hôte d'honneur, Maximilien. C'est pour votre sécurité. Nous avons des procédures à respecter à la lettre. Je suis sûre que vous comprenez. Vous m'avez fait demander, Miranda? Oui, Sigrid. Merci de tenir compagnie à Maximilien le temps de son confinement. Aucun problème. Amusez-vous bien. Je n'ai jamais aimé mon métier. Chercheur. On passe sa vie à chercher pour faire avancer l'humanité. On se sacrifie, on passe à côté de plein de choses. Et quand on s'en rend compte, il est trop tard. Vous connaissiez bien Morten ? Oui. Non, enfin pas tant que ça. Sinon j'aurais pu deviner sa détresse et l'empêcher de faire une connerie. Vous n'avez rien à vous reprocher. Vous étiez collègues, pas amis. On n'a pas d'amis dans ce métier. On n'en a plus. Ça fait partie des choses qu'on sacrifie. Comme la vie privée. Avez-vous jamais été amoureux, Maximilien ? Je sais pas. Bah si, bien sûr, comme tout le monde. Moi, c'est à cause d'une rupture que j'ai intégré le projet Gwen. Certains rentrent au couvent. Moi, mon couvent, c'est ici. Ne me faites pas croire qu'avec le brassage qui est ici, jamais rien ne se passe entre les gens. Des aventures, bien sûr. Mais cette consommation pointe le manque de sentiments. C'est un cercle vicieux. Plus on est seul, plus on cherche le réconfort facile, plus on se sent seul après. Alors les gens plongent dans le travail. Sauf le patron. Gwen et Gary, ça ne marche plus très fort entre eux, c'est de notoriété publique. Je ne parlais pas de Gary. Que voulez-vous dire? Vous le savez mieux que moi. Gwen est très proche de Klaus Maria. Vous les avez vus parler une fois, c'est bien peu pour déduire qu'ils sont proches. Vous avez appris quelque chose? Max, si ça met en péril l'organisation, il faut me le dire. Je ne veux pas d'un autre Morten. Et c'est pas le premier. Vous savez pour Frédéric? Raison de plus. Il faut me dire ce que vous savez, Max. Mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est qui ce Klaus Maria et qu'est-ce qui fricote avec Gwen? Je pense qu'il est lié à la mort de Morten. Vous savez quelque chose? Vous avez des preuves? Non, mais j'ai entendu des choses. Et rester cloîtré ici dans cette chambre me semble pas être le meilleur moyen de tirer cette affaire au clair. Non, Max, vous n'êtes pas là pour ça. Ce sont nos affaires, c'est à nous de les régler. En restant dans cette chambre? Mauvaise méthode. Max, vous avez raison, mais c'est trop dangereux pour vous. Je vais m'en charger. Je passerai plus inaperçu pour aller chercher des renseignements sur Klaus Maria. Sigrid. Max, je vous en prie. Je vais appeler Malik qui va venir me remplacer et dans 1 heure, je reviens faire le point sur la situation. Ok. Malik, ici le docteur de Henning. Pourriez-vous venir me remplacer dans la chambre de Monsieur Hope, s'il vous plaît? Merci. Ah Malik, je vous confie Monsieur Hope. À tout à l'heure. Je regrette, c'est impossible. Pitoyable regard du corps. pas ici, tout le monde est confiné. Justement, parlons de la partie la plus chaude du projet. Tu en es où de la culture des virus? C'est bon, on en a assez pour ta commande. Les services secrets vont avoir de quoi s'amuser. Et tu as vérifié la charge virale? Mais oui, ils vont inoculer ça dans 2 ou 3 ours polaires et d'ici quelques mois, toute l'espèce sera contaminée. Pas des ours, Klaus, pas des ours. Alors c'est bon, on peut se débarrasser des autres? Non, attends encore un peu. Gwen peut encore nous servir pour manipuler Garrison. Mais si on attend trop longtemps, ça va être difficile de faire croire que c'est lié à la contamination de Morten. Tu parles d'une contamination. Si le médecin légiste l'examine, il verra bien qu'il n'est pas mort de ce qu'il s'est injecté, mais du fait que tu l'as étouffé. Ils n'y verront que du feu. La police est au pied de Garrison, ils n'ont même pas consigné de décès. Et pour Hope, on fait quoi? Il t'a vu. Je t'avais pourtant demandé d'être discret. Lui? Rien que lui? Je vais aller le retrouver personnellement dans sa chambre et lui injecter une double dose. Et je le regarderai agoniser jusqu'à la dernière seconde. Merde, Hope! Attrape-le, tue-le! Qu'est-ce que vous faites là tous les deux? On a vu Monsieur Hope sortir en courant. On essaie de le rattraper, mais il nous a échappé. On peut essayer de le retrouver, si vous voulez, boss. Putain, bordel, mais est-ce qu'on peut se consacrer un peu à la science ici, au lieu de passer son temps à régler des problèmes? Vous vous démerdez, mais je veux plus entendre parler de ces conneries. Alors on fait quoi, Gwen? Je suppose qu'il faut qu'on retrouve Hope. On ne peut pas tolérer un tel comportement envers un membre de l'équipe. Ok. On fait comment? Bonne question. Est-ce que le confinement peut être levé? Oui. Pas de contamination des bâtiments d'après les tests. Très bien. Alors il faut mettre du monde sur le coup. Très bonne idée. Et qu'est-ce qu'on va faire de Hope, une fois qu'on aura mis la main dessus? Retrouvons-le d'abord. Sigrid a raison, Gwen. Il faut savoir ce qu'on va en faire. Retrouvons-le d'abord, j'ai dit. On verra ensuite. Est-ce que tout le monde est d'accord? Ouais. Ouais. Oui. Parfait, on y va. Merci d'être venu. Vous êtes seul? C'est ce que vous demandiez dans votre message. Oui. Je ne sais pas si vous me faites confiance. Si je suis ici, pourquoi vous êtes enfui, Maximilien? Quand on n'a rien à se reprocher, on ne s'enfuit pas. Je ne suis pas venu ici pour écrire un article. Frédéric était mon ami. Je suis venu ici pour enquêter sur sa mort. Morten vous a aidé à intégrer le projet? Ouais. Lui aussi était sur une piste lorsqu'il a été tué. Par Klaus. Attention aux accusations que vous proférez. Je les ai entendus parler du meurtre avec Sigrid. Ils m'ont vu, ils m'ont pourchassé pour me tuer à mon tour. Sigrid? Mon Dieu. Mais vous avez des preuves? Non. Non, non, c'est pour ça que j'ai besoin de vous. Vous êtes la seule qui puisse m'aider. Je crois. Comment ça? Nous devons confondre Klaus et Sigrid. Non seulement ils ont tué, mais en plus ils sont en train de mettre sur pied un trafic de virus avec le projet comme couverture. Dans ce cas, prévenons la police. La police c'est bidon. Ils ne feront rien contre le projet Gwen. Non, non. Ce qu'il nous faut, ce sont des preuves, des meurtres et du trafic. Quel genre de preuves? Des aveux. Vous devez les faire parler. Et moi, si je débarque au centre, je ferai pas long feu. Je veux bien essayer, mais vous? Ne vous inquiétez pas pour moi. Je vais rester dans les parages et dès que vous avez des éléments, vous m'appelez. Excuse-moi, Sigrid, je suis un peu sur les nerfs avec tout ce qui se passe en ce moment. J'ai l'impression que ce que nous avons construit ensemble est en train de s'effondrer. Tout n'est pas perdu, ma chérie. Je crois que le projet Gwen a un grand avenir devant lui. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Il est arrivé une histoire similaire à l'organisation Vlensky. Vlensky a été trahi par l'une de ses plus proches collaboratrices. Quelqu'un lui avait retourné la tête. Elle s'était mise à manigancer contre lui. Mais Vlensky n'était pas dupe. Un soir, il s'est assis avec elle et lui a dit « Raconte-moi ce que tu manigances, ou je ferai du mal à ce qui t'est le plus cher. » Vlensky était blessé. Cette personne lui avait fait du mal. Et tu sais ce qui est arrivé alors, Mandy? Non, Sigrid. La collaboratrice lui avoua tout. Miranda, je suis content que vous soyez là. Non, Miranda, vous n'avez pas fait ça. Non, non, non. Je suis désolée. Non. C'est bien, ça commence à se remplir. Va t'asseoir avec les autres. toi aussi. Sigrid. Va t'asseoir avec les autres. Allez, mène-toi. Viens. Allez chercher les Thénardier. N'y pensez même pas, Maximilien. L'étissement. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Sigrid, vous pouvez m'expliquer tout ça? Tout ça? C'est le dernier acte de mon plan, pauvre bouffon. Surveillez votre langage, vous oubliez à qui vous parlez, hein? À qui? À personne. Ah! Oh, ça va, la vierge effarouchée. Va t'asseoir avec les autres si tu veux pas avoir le même sort. Dégagez-moi ça. Bien, on va finir par y arriver. Et vous allez tuer tout le monde comme ça? Je veux juste vider les lieux avant ma transaction. Cette histoire de contamination a déjà fait fuir 90% des chercheurs. Il ne reste que le noyau dur. Et oui, ce noyau dur doit disparaître. Moi. À qui le tour maintenant? 1, 2, 3, nous irons au bois. 4, 5, 6. Non, pas si vite. Klaus, dans combien de temps arrivent nos clients? D'ici une petite demi-heure. Nickel, va chercher le conteneur. Ça va nous laisser le temps de discuter un peu. Et notamment de savoir qui est ce petit fouineur qui a failli faire capoter toute notre opération. Alors Max, vous travaillez pour qui? Le MI6? Le Mossad? Je ne travaille pour personne. Frédéric était mon ami. Je voulais juste savoir comment vous l'aviez tué. Et voilà. C'est pour qui alors? Vous avez bien une idée? La CIA? Bien joué. Comment l'avez-vous appris? En regardant votre nouveau logo. Communication, quelle calamité. Mais pourquoi tu les balances tout? Il n'a rien à voir avec ça, juste une histoire personnelle. Qu'est-ce que vous comptez faire avec ce conteneur? Protéger les intérêts des États-Unis, c'est notre métier. Le Groenland recèle d'immenses richesses pétrolières et minières. Le deuxième ressource mondiale de terres rares et les cinquièmes d'uranium et d'hydrocarbures. Bingo. Ce potentiel commence à attiser les convoitises d'autres pays. Il nous faut protéger notre nouvel Eldorado. Non seulement le réchauffement climatique est la couverture parfaite pour expliquer notre présence ici, mais en plus, grâce à nos recherches, nous avons découvert un moyen quasiment naturel d'éliminer les curieux. Ces virus? Oui. En contaminant le Groenland, nous allons décourager les petits joueurs du secteur qui fuient à la première contrariété. Et cette île deviendra le terrain réservé des compagnies américaines. Vous êtes fou. Nous sommes visionnaires, Max. C'est le réchauffement climatique qui a libéré ces virus millénaires. Restez prisonniers des glaces. Nous, nous donnons simplement un coup de pouce au réchauffement pour que ces virus soient vraiment virulents. Yes? Yes, Marco? Je vais faire diversion. Vous récupérez le conteneur et vous vous échappez. Gwen, ils sont armés. Ne discutez pas, Max. Okay. Laissez-moi 30 secondes. Bye bye. Et vous filez. C'est un moment historique. Dans 5 minutes, la CIA entrera officiellement en possession des virus. Gwen, vous êtes américaine? Ça ne vous fait pas une petite émotion? Votre gueule, Sigrid! Hey, vous avez oublié à qui vous parliez, ma vieille? Pas du tout. Asseyez-vous. Je parle à une manipulatrice qui a menti à tout le monde depuis son arrivée ici. Asseyez-vous. Vous m'avez monté contre mon mari avec l'aide de votre chien. Vous avez brisé le rêve d'un homme, brisé le rêve d'une vie. Et vous avez détourné à votre avantage l'argent qui aurait pu servir à sauver la planète. Vous étiez bien contente que l'administration américaine subventionne votre projet boiteux. Avant mon arrivée, votre organisation ridicule était au bord de la faillite. C'est vous qui avez décidé de pactiser avec le diable. N'essayez pas d'inverser les rôles. C'est vous qui nous avez menti depuis le début, connasse! Un mot de plus et je vous tue, Gwen! Asseyez-vous! Mais qu'est-ce que vous croyez, pauvre idiote? Je n'ai plus rien à faire! Avant que le bateau n'appareille. C'est long. Vous étiez au courant des connexions du projet avec la CIA? Quand de mystérieux investisseurs renflouent une organisation moribonde du jour au lendemain, en plaçant leurs éléments ça et là, forcément vous vous posez des questions. Vous n'avez pas cherché plus loin? Je suis arrivée à un stade où je ne peux pas faire la difficile. Alors non. Puis... je dois admettre que Sigrid a habilement manœuvré pour se faire accepter de tous. Moi-même, je suis tombée dans le panneau. Allez, c'est fini maintenant. Oui, la délivrance est proche. Pas complètement. Je repars sans avoir trouvé ce que je cherchais. La mort de Frédéric, vous étiez proche? Nous l'avons été. Et? Je suis parti, j'en avais besoin. Il a bien rebondi. Il est venu ici, il a rencontré des gens intéressants. On s'est revus quelques fois, pour un anniversaire, un café. C'était pas pareil, mais... Pourquoi refuser que ce soit un suicide? C'est pas le refuser, mais... sa sœur l'avait au téléphone la veille. Il était heureux. Pourquoi se tuer? Un ami très proche s'est suicidé. Il y a quelques années. Ce fut un choc indescriptible. Personne ne pensait qu'il puisse aller mal. Toujours joyeux, de bonne humeur, disponible pour les bons moments. Mais au fond de lui, une douleur puissante le rongeait. Il savait jouer la comédie, si bien que personne n'a soupçonné que cette douleur puisse être si forte qu'il préfère mettre fin à ses jours. Que s'est-il passé? Les plaisirs de la vie l'ont fait tenir. Et il y a eu un jour un événement difficile à surmonter. Alors que nous étions tous dans la joie, lui a dû succomber à cette douleur puissante. Le genre de douleur qui vous transperce le ventre. Vous ne vous êtes pas senti coupable? Oui, mais s'il jouait la comédie, c'était pour qu'on ne la voie pas, cette douleur. Sinon, il aurait envoyé des signaux. L'être humain aime parfois se lever dans la mélancolie. Vous ne nous êtes pas dit que, si vous le connaissiez vraiment, vous auriez su voir au-delà des apparences? J'aurais pu avoir des doutes. Mais si je lui avais posé la question, pensez-vous qu'il aurait répondu? N'aurait-il pas préféré continuer à jouer la comédie? J'espère qu'il aurait répondu. Vous savez, il y a des gens sur lesquels on peut compter bien plus que sur soi-même. Sauriez-vous les reconnaître? Le saurais-je? Au final, vous savez pourquoi il s'est suicidé? Oui. Mais ne me le demandez pas. Au fond de vous, vous le savez aussi. Frédéric s'est suicidé, Maximilien. Tout le monde veut s'en convaincre. Il a laissé une lettre. Elle nous a été retournée avec ses affaires. C'est moi qui l'ai récupérée. Mais montrez-la, moi! Qu'est-ce qui vous fait croire qu'elle vous était adressée? Elle était adressée à un certain... Max... Maxou. such a sweet day. I wonder if I'll ever recover these wounds I dearly cherish. There would be so much to tell, but words are poor in letters to figure out the sparkling crushes floating in my sky. Where was I? Which glimpse of I? Oh, was I? Recognized, and where was she? Was she with me? Ooh, was she with me? Out of my dreams I discover abandoned places, curves and secrets of my soul, delivered to the surface and asking for my care. Now the day is all alone, standing still just like a stone left underground after a fly into the highest atmosphere. Oh, 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 oh. There would be so much to tell. Words are poor in letters to figure out the sparkling crushes floating in my heart. Where was I? Which